Quel est ton dernier mensonge que tu as dit par rapport à l'OM pour te débarrasser d'un truc? pour m'enfuir. Pour t'esquiver de quelque chose, quoi. Mon dernier mensonge, je crois que ça a dû être avec 12 et pas. J'ai un truc... J'ai bébé, il m'appelle. Bébé, je suis obligé. Il n'a pas de voiture, tu le sais qu'il n'a pas de voiture, il est en panique. Je suis obligé d'aller le chercher. Escapade. Allez. Petite partie de boule à Saint-Ginier. Et allez, ouais, non. Vu que toi, moi, je suis célibataire, j'ai compris. Ouais. Voilà, j'ai pas de gomzesse, on est là, tranquille. Un petit papillon qui vole et qui vole. Moi, j'ai une petite question pour toi. Vu que toi, tu es en couple, quelle est la corvée que tu détestes le plus à faire quand tu es chez toi, comme ça, avec ta copine ou chez là? Tu as des trucs que ça te gonfle, tu vois? C'est quoi ce moment-là? Alors, c'est quoi qui me gonfle le plus? Je peux te mettre une machine à laver comme ça. En fait, ce qui m'énerve, c'est de mettre la machine à laver. Alors, je la mets dans le sèche-linge, mais ça sort, ça en croit le truc. Ouais. Et en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est repasser. Le repassage. Alors, ouais. J'envoie tout en boule en haut. Et en fait, à chaque fois que je prends une sélection d'habits, je suis obligé de sortir ce steamer. D'accord. Ah oui. Alors, sache un truc, c'est que je suis allé. Ça facilite la chose, du coup. Je suis allé à boulanger il n'y a pas longtemps. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Calor. Ouais. Qui coûte 700 balles. Ouais. Tu peux mettre jusqu'à 5 t-shirts et tout. Si tu montes le truc. Il ressort plié. Il ressort plié. D'accord. Je vais l'acheter. Alors, une célébrité, Antoine, que tu aimerais avoir en tant que bon ami. C'est une célébrité. Ah. Je dis pas qu'on a, après on connaît déjà, on connaît des collègues. Un bon ami, je vais te dire, tu vas pas me croire. Dis-moi. Jean Dujardin. Allez, ouais. C'est vrai qu'il a l'air fada un peu. Ouais. Il doit être bon, il doit être bon de délire. Depuis Un gars et une fille, il a du charisme, il a du talent. Moi, le cinéma, tu sais que je suis amoureux du cinéma. Ouais. Et pour moi, c'est un génie ce qu'il a fait avec les Oscars en Amérique et tout. Et je pense que. Tu dois pas trop t'ennuyer avec lui, c'est vrai. Franchement, j'ai rencontré Gilles Lelouch à la Vianote en pleine bringue à l'époque, mais j'attendais de voir Jean Dujardin, je l'ai jamais vu, j'étais un peu dégoûté. Ça serait la seule personne. Ça serait vraiment top. Vraiment, que je peux. Ça il est en train de manger, je peux lui dire frérot, je t'explique. Voilà, je t'explique. Parce que, non, mais Cola, quoi. Jouer à la PlayStation, jouer au boule. Elle m'a mis à faire 2-3 merguez et tout, qui me raconte un peu ses films et tout.